Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Haine, Censure et Vérité. Nous sommes au cœur d'un débat sur la PMA entre le professeur Israël Nizan et Eugénie Bastier. Eugénie Bastier, qui est contre la PMA pour toutes, expose ses arguments, notamment ceux en faveur de la filiation. Et voici comment le professeur lui répond. Les gens que vous stigmatisez parce qu'ils ont une autre sexualité. Non, je, je ne stigmatise personne, je pose des questions euh, éthiques les gens que vous stigmatisez en leur empêchant de constituer famille avec des très bons arguments mais qui nous viennent du temps passé se sentent humiliés par cette posture en gros c'est le ressenti de certaines personnes qui justifie l'obtention d'un nouveau droit et pour ne pas offenser la sensibilité de ces personnes il faut leur octroyer ces droits nonobstant les conséquences dans la société parce qu'ils disent ben ceux qui ont tous les droits dans notre pays eh bien, ils n'ont pas de soucis, eux. Et en quoi ça les gêne que moi, je puisse constituer famille En disant cela, Israël Nizan affirme que certains citoyens seraient donc arbitrairement privilégiés par rapport à d'autres et que l'on ne devrait pas empêcher les autres de faire ce dont ils ont envie tant que cela ne nous gêne pas personnellement. Ça ne fait de mal à personne, tout le monde est libre, en gros il n'y a plus d'ordre ni de devoir qui tiennent. C'est l'incarnation de l'individualisme total de l'ultra-libéralisme qui donne le progressisme. D'ailleurs, c'est précisément ce que chantait notre ami Bia Lassani à l'occasion de l'Eurovision. À chacun son royaume. Et ça, Charles Maurras l'avait bien compris lorsqu'il écrivait ceci dire que les libertés se limitent les unes les autres est tout à fait juste de l'état sauvage ou de l'état d'anarchie. Cela signifie simplement que les forts oppriment ou exploitent les faibles tant que les faibles ne se révoltent pas contre les forts et que les victimes éventuelles n'ont pas trouvé un procédé sûr. Pour canarder et mitrailler à volonté leurs bureaux la liberté conçue comme régime ou comme principe c'est un chaos généralement douloureux et à ce propos sachez que les éditions contre culture ont réédité mes idées politiques de charles Maurras, qui était devenu pratiquement introuvable même si je n'adhère pas à tous les postulats de ce philosophe il faut quand même reconnaître que c'est un monument de la philosophie politique et le contenu de cet ouvrage est toujours d'actualité donc je vous le recommande si vous avez envie de mieux comprendre pourquoi la société moderne a pour fondement l'individualisme, l'ultralibéralisme et le progressisme notamment. Avec cette idéologie, on se retrouve dans une société qui n'a plus rien d'une société, c'est-à-dire d'une association d'individus en vue du bien commun et qui renonce pour cela à certains droits mais qui prend sur elle aussi certains devoirs. A la place, on a un conglomérat d'individualités, d'identités individuelles où chaque moi est roi et s'affronte s'oppose avec le moins de ses voisins pour obtenir le plus de droits. Résultat, une banalisation jusqu'au ridicule de la censure et de la bien-pensance. Même le Dalai Lama est pris la main dans le sac, accusé de sexisme. Le Dalai Lama n'est pas un beauf comme un autre, quand bien même il a déclaré, s'il y a une femme, Dalai Lama, elle doit être plus attirante que moi. Euh, caricature reprenant des clichés antisémites qui faisaient la, la polémique aux États-Unis. Elle a été publiée dans l'édition internationale du New York Times. Elle représentait à magie un Benjamin Netanyahou en laisse euh, qui guidait hein, Donald Trump aveugle. Une manière de dire, euh, si on essaye d'interpréter, Donald Trump se laisse guider aveuglément par Israël et par les Juifs. Une compagnie aérienne italienne est accusée de racisme après la diffusion de sa publicité promouvant des vols Rome-Washington. L'acteur qui représentait Barack Obama est en réalité blanc. Il a donc commis le sacrilège du blackface. Les créateurs du jeu vidéo médiéval Mordao sont accusés de racisme et de sexisme. En effet, il n'est pas possible de créer un personnage qui ne soit pas un homme blanc. Et comme vous le savez peut-être, Laetitia Avia a présenté son projet de loi pour lutter contre la haine sur internet. C'est un projet de loi qui s'inspire ouvertement d'une loi allemande, NetDG, qui a été promulguée le 1er octobre 2017 et qui ordonne aux plateformes telles que Facebook ou Twitter par exemple de retirer sous 24 heures les contenus illicites sous peine de lourdes sanctions financières. Mais pourquoi une telle loi en Allemagne Est-ce pour lutter contre les propos haineux et injurieux que certaines personnes reçoivent sur internet à cause de leur physique, à cause de leur sexualité Autres Après les sources de libération, le gouvernement souhaitait surtout réagir au flux de commentaires anti-réfugiés ayant suivi leur arrivée massive en 2015. Nous sommes en démocratie. Les politiques prennent des décisions dont vous subissez les conséquences au quotidien et tout ce que vous avez le droit de faire, c'est de vous la boucler. Et lorsque l'on voit cet article du Frankfurter Allgemeine Zeitung, l'extrême droite les préoccupe beaucoup. Dès les premières lignes, le vidéaste Milo Yannopoulos est accusé, je cite, de diaboliser les réfugiés comme vous pouvez le voir ici souligné en jaune. En d'autres termes, la loi allemande vise à museler les opposants politiques sur les réseaux sociaux. En outre, ce système fonctionne sur une pratique qui s'apparente presque à de la délation en ligne. Il revient aux utilisateurs de signaler grâce à un bouton qui est mis en place ou qui sera mis en place les contenus qu'ils jugent haineux, donc illicites ces contenus devraient être théoriquement vérifiés, bloqués et supprimés par les plateformes qui se font juge et ce dans les 24 heures. Donc finalement, ce sont des entreprises privées qui remplaceront un juge. Dans une tribune du Figaro Vox, le journaliste Yann Mamou analyse les résultats d'un sondage mené par le journal allemand. Nombre d'Allemands ont le sentiment que le contrôle social s'est renforcé sur l'expression publique et que les comportements et les propos publics font désormais l'objet d'une surveillance renforcée. En France aussi, le contrôle est très strict puisqu'une loi encadre déjà la liberté d'expression. C'est la fameuse loi sur la liberté de la presse de 1881 qui a été enrichie et révisée en 2017 à l'occasion de la loi Égalité et Citoyenneté. Plus discrètement est passé le décret numéro 2017-1230 du 3 août 2017 relatif aux provocations, diffamations et injures non publiques présentant un caractère raciste ou discriminatoire. Les mêmes peines et sanctions que celles qui sont prévues par la loi de 1881 révisée en 2017 sont appliquées aux personnes tenant des propos dans l'espace non public, c'est-à-dire par exemple dans les entreprises ou les établissements scolaires. Souvenez-vous du tapage médiatique à propos du pacte de Marrakech et de toutes les critiques qui ont été émises par les médias à l'égard de ceux qui en parlaient, qui ont d'emblée été accusés de colporter des fake news. Une autre actualité toute récente illustre mes propos. L'ONG SOS Méditerranée vient de porter plainte contre Nadine Morano et Stéphane Ravier pour diffamation. L'association reproche à Stéphane Ravier les propos écrits dans un tweet du 5 octobre 2018. L'ONG pseudo-humanitaire SOS Méditerranée est bel et bien complice des trafiquants d'êtres humains. Ces propos font pourtant écho à ceux du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, le 7 avril 2019. En Méditerranée centrale, on a observé de façon tout à fait documentée, je vous le dis, une réelle collusion à certains moments entre les trafiquants de migrants et certaines ONG. On observe donc un pouvoir croissant donné à des associations, à des entreprises privées, à certains mouvements de défense des minorités pour censurer la parole dans l'espace public et privé. Dans un tel contexte, la loi AVIA ne va-t-elle pas exacerber tout cela Avant de regarder le texte, je vous informe qu'il existe déjà une plateforme de signalement pour les contenus haineux en ligne mise en place par l'État. En cliquant sur le bouton ⁇ Signaler ⁇ vous pouvez transmettre des signalements de contenu ou de comportement illicite auxquels vous seriez retrouvé confronté au cours de votre utilisation d'Internet. Bien sûr, dans certains cas, heureusement qu'il existe un moyen de faire remonter aux autorités un contenu violent et illégal comme la pédophilie, les trafics illicites, l'appel au terrorisme, à la violence ou les violences filmées sur des êtres humains ou des animaux. Sans nier la nécessité de réprimer ces violences ou de lutter contre le cyberharcèlement, ce qui questionne ici avec la loi Avia, c'est la liberté d'expression concernant des propos clairement et ouvertement en désaccord avec la politique menée par le gouvernement en place. Voici l'exposé des motifs de cette proposition de loi. Dès la deuxième ligne, dans un contexte de dégradation de la cohésion sociale, le rejet puis l'attaque d'autrui pour ce qu'il est, en raison de ses origines, de sa religion, de son sexe ou de son orientation sexuelle, connaît des relents rappelant les heures les plus sombres de notre histoire. Elle est en train de nous dire ici que l'atmosphère qui règne actuellement sur Internet et dans la société est semblable à l'atmosphère qui régnait le siècle dernier, juste avant la montée du nazisme et de la Deuxième Guerre mondiale. Comment le porte-parole et président du bureau exécutif? députée, avocate, diplômée de droit comparé, d'un master de sciences politiques à Sciences Po, peut écrire des propos de ce niveau-là. Ah oui, oui, Sciences Po. Nous vivons dans un contexte où la société n'a jamais été aussi multiculturelle, où le libéralisme moral n'a jamais été aussi présent, où les droits accordés aux dites minorités n'ont jamais été aussi euh, nombreux. Le Premier ministre Édouard Philippe a confié la mission à Laetitia Avia, députée, Karim Amelal, écrivain, et Gilles Taieb, vice-président du CRIF, de rechercher des mesures concrètes pour lutter contre ces délits sur internet. Pourquoi ces trois personnes qui sont toutes d'accord les unes avec les autres, pourquoi ne pas avoir constitué une équipe complète, composée de personnes qui ont des opinions politiques différentes, puisque ce n'est pas en raison de notre opinion politique que l'on est ou non? Victime de discrimination, ou de haine ou d'injure. Quand on traite la journaliste Charlotte Dornelas de pute ou de salope publiquement, elle est bien concernée, non Karim Amelal nous promet que la loi établira bien une distinction entre les opinions personnelles et les discours de haine réprimés comme les délits. Manifestement haineux, ça veut dire manifestement illégal. Euh, ça n'est pas une opinion. C'est. Un délit, un délit. Très bien, mais le problème avec tous ces critères, c'est qu'ils ne sont pas précis et qu'ils ne peuvent pas l'être parce qu'ils relèvent d'une interprétation. Et ça, normalement, c'est l'affaire du juge qui doit juger dans quel contexte les propos ont été tenus et dans quelle intention avant de les condamner à juste mesure. La haine sur Internet s'exprime également à travers des sites dédiés à la propagation d'une idéologie haineuse, qu'elle soit raciste, antisémite, anti-musulman, homophobe ou sexiste. Quelle est la définition juridique de tous ces termes On les comprend à force de les voir employés par les médias. On comprend que tous ces termes sont employés dans une langue républicaine. Par exemple, l'idéologie haineuse dite racisme ne concerne pas ici le fait de prôner la supériorité d'une race sur une autre, qui est la définition au sens strict et au sens premier du racisme, ce qui est évidemment condamnable et condamné, mais tout simplement le fait de refuser ou de critiquer. La société multiculturelle et l'immigration de masse, donc la politique migratoire mise en place. Ensuite, pourquoi parler d'antisémitisme et d'anti-musulmans, mais pas d'anti-catholiques Et comment faire pour condamner les propos dits sexistes, sachant que aujourd'hui tout le monde peut être accusé de sexisme, que ce soit Jean-Claude Van Damme ou le Dalai Lama. On peut continuer à avoir à tenir tous les propos que l'on veut dès lors que, euh, eh bien, ils ne nuisent pas à autrui. Mais dire qu'on est contre le mariage pour tous ou la PMA pour toutes, est-ce homophobe alors. Dire qu'on ne veut pas de Burkini dans les piscines, est-ce islamophobe. On essaie de nous faire avaler que toutes ces opinions sont des délits et que les seules opinions que tu peux avoir sont celles qui épousent les valeurs de la République. Ah, c'est pas moi qui le dis. C'est pas moi qui le dis, c'est Nicole Belloubet dans cet article du monde. Voici un article du Monde du mercredi 19 juin 2019. Nicole Belloubet ouvre un débat sur la loi de la liberté de la presse. Voici ses propos. L'expression raciste ou antisémite n'est pas une opinion mais un délit. On est d'accord mais écoutez sa raison. En ce qu'elle sape les principes de liberté, égalité et fraternité qui font notre pacte républicain. Qui sape notre pacte républicain mais la République se veut universelle. L'ouverture des frontières fait donc partie de son pacte puisque tout le monde peut devenir citoyen. Donc le nationalisme n'est pas une opinion, mais un délit. Ça pourrait être un bon exercice à donner aux haineux des stages de citoyenneté de faire des phrases un petit peu comme ça. Bref, quoi qu'il en soit, de toute façon, cette loi paraît difficilement applicable avec la somme de contenu qu'il faudrait retirer en moins de 24 heures, ce qui bien sûr encouragerait ces plateformes à pratiquer une sorte de surcensure, d'ultra-censure pour ne pas avoir à payer des millions d'euros d'amende dans le cas où elles auraient laissé passer un propos. En somme, la loi Avia risque d'agir comme une démonstration symbolique où il y aura bien sûr quelques exemples qui seront reliés à la une des médias pour dissuader les autres de tenir des propos haineux ou qui vont trop loin dans leur opposition à la politique du gouvernement, mais sans réelle efficacité, et notamment pour les personnes qui en auraient le plus besoin et qui sont victimes par exemple de cyberharcèlement. Et vous, quel est votre avis sur le sujet Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Un grand merci aux tipeurs qui me soutiennent et me permettent de réaliser ces vidéos de manière libre et totalement indépendante. Je vous retrouve vendredi à 17h, vendredi 11 juillet, pour la deuxième partie de la foire aux questions. Cette fois-ci, on va parler de sujets de société, de politique, de la France, de philosophie, des relations hommes-femmes. A très bientôt